est là, lui. Ça y est, Yona, ton heure est arrivée. Le monde entier va te regarder te battre dans le temple des combats Pokémon à Galar. Le stade de Windsor. C'est le moment de donner tout ce que t'as. Vas-y, fonce t'inscrire. T'inquiète. Je vais démonter Tarak et finir le jeu. Ah, c'est Yona, on t'adore. Je me demande bien qui va gagner. Allez, 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 allez. On y va. Yona, je vous attendais. Vous avez remporté le tournoi des médaillés. Vous allez maintenant prendre part au tournoi des champions, auquel participent 7 champions de Galar. Ils seront sans pitié, car le vainqueur du tournoi gagne le droit de défier le maître. Vous êtes prêt à passer au vestiaire? Oh putain de merde. Parfait, je vous y emmène. C'est quoi ça? 7 combats d'affilée? Ah oui, ils sont tous là? Oh shit. La même chose, je suis ravi de te revoir, j'espère que ton équipe est top. On va aller retourner ce tournoi, on va au défi des arènes, le niveau est tout autre. Je suis venu tenter ma chance sur le tournoi des champions. Imagine la fierté des gens de Smashing si je gagne sur exiger de Dynamasque. Mon masque, il va tomber. Je vais terrasser tout le monde pour enfin faire face à Tarak et lui montrer ce qu'il y a de plus fort. Je le dois à Duralugon, à tous les Pokémon qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici, et à mes fans. Je dois affronter Roy en premier. J'ai vraiment pas de chance. J'imagine qu'il peut manipuler la météo à son avantage, mais je ne me laisserai pas le faire. Je ne bats pas pour plaire à la foule, mais pour gagner. Je vais vous montrer tout ce qui est vraiment un combat dans les règles. On poursuit. En compétition, faut toujours être prêt à relever n'importe quel défi. Toujours chercher à dépasser ses limites, c'est ça, être un vrai sort. Bah on y va, c'est parti. La cérémonie d'ouverture va bientôt commencer, il y a tout prêt. Enfin prêt. Allez, alors allons-y. Bonjour à tous, c'est moi, Tarak, le maître. Le président de la ligue a eu un empêchement, je me permets donc de le remplacer. Aujourd'hui, les combats Pokémon vont atteindre de nouveaux sommets. Aujourd'hui, je veux que le plus fort d'entre vous émerge pour m'affronter. Sur ce, je déclare le tournoi des champions ouvert. Un instant. Oh putain, il est là lui. C'est qui? Mesdames, messieurs, si je peux réclamer votre attention un instant, bien. Vous souvenez-vous de moi? Moi, Trévis le dresseur, qui a été forcé de se retirer du défi des armes. Moi qui a vu mes espoirs voler en éclats alors qu'une longue carrière m'attendait. C'est Trévis, c'est le challenger recommandé par le président Charles en personne. Il se trouve que j'ai un compte à régler avec Yona. J'ai bien conscience que cela parle contre des règles de pouvoir, mais j'en appelle à votre courtoisie. Laissez-moi combattre aujourd'hui. Je mets toute ma carrière de dresseur en jeu. Si je perds ce combat, je jure solennellement de ne plus jamais vous prendre part au combat Pokémon et de renoncer à prendre la tête de l'arène du type fée. Oh là là, quel putain, qui aurait pu imaginer ça? Chader Nevis qui avait raccroché ses Pokéballs est de retour pour demander un dernier combat. La régie est actuellement en train de décider pour faire des situations exceptionnelles. Chers spectateurs et téléspectateurs, merci de patienter quelques instants. Aussi bien que je ne dépasse mes droits. Aussi plus fort que moi, je ne peux rester sur une telle humiliation. Tout allait à merveille dans ma vie avant que le départ ne vienne tout gâcher. J'ai rassemblé les étoiles bleues sans relâche pour la président, ou le président à la demande de Liu. Mais tout ça pourquoi? Pour être rayé de leur répertoire sans autre forme de procès? Et ensuite quoi? Une vieille sort de nulle part pour me conspecter jour et nuit et me harceler avec le type fée. Le matin, cuit sur le type fée. L'après-midi, combat avec des Pokémon de type fée. Le soir, pour ne pas changer, encore un cuit sur le type fée. Je crois que j'ai eu ma dose de féerie pour toute ma vie.
et qu'on ne me parle pas de la couleur rose. Donc je vais maintenant en profonde horreur. En profonde horreur. Voilà à quoi je suis réduit, apitoyé sur mon sort reproducteur. Mais je vaux mieux que ça. Mesdames, messieurs, une décision a été prise et elle vient du maître lui-même. La demande de Trilis a été acceptée. Quelle magnanimité. Ou serait-ce une manière pour notre maître de tester les talents de Yona, le challenger? Le grand Trilis n'a pas dit son dernier mot. En voici la preuve. Trilis, le champion de la reine, aussi. C'est parti. J'ai enduré tant de choses pour aller jusqu'ici. Le temps ne peut plus m'échapper. Ciao. Galopa. Oh, le galopa de Galar. Wow, il est trop beau. Oups. Allez, c'est parti. Score silence. Ah non, sort silence. Si tu dois avaler, tu mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tu m'as coûté un coup de féerie. Admire un gigamasque de sort silence. Oh putain, un gigamasque en plus. C'est pas un dynamasque, qu'est-ce que ça va être encore? Ok. Ah, ça va piquer. Vous êtes perdu au moment où j'ai pu démontrer l'excellence des Pokémon.
Oh, rage ou désespoir. Oh, défaite à demi. Incroyable, Yona et sa fidèle équipe ont triomphé du défi lancé par le challenger Trevis. Bravo Trevis, c'était un super combat. On veut te revoir au prochain tournoi. Ne baisse pas les bras. Que faire? Je suis décontenancé. J'avais tout prévu. J'ai gagné, j'obtenais ma revanche tant attendue. Et si je perdais, eh bien ma foi. Au moins j'ai débarrassé de l'autre vieille folle. Avec tant d'encouragement, comment puis-je décemment abandonner ma carrière de dresseur? Impossible, c'est ta faute. Maintenant je n'ai plus le choix que celui de continuer d'être le champion de type fée. Oh, cruelle destinée. Ne suis-je que ton jouet? Enfin, il va sans dire qu'avec mon talent hors du commun, ce sera un jeu d'enfant pour moi que de dépasser Sally et de prendre sa relève si je m'applique. Si je m'y applique. Le stade est enfin effervescent après ce combat riche en émotions. Shiny Yana se dirige maintenant vers les mystères afin de se reposer après ce combat, ce match inattendu. J'ai vraiment du mal à lire, des fois c'est abusé. Eh bien, on peut dire que Trevis est passé maître dans l'art du coup de théâtre. Bien, si vous êtes prêts, et gagner le terrain. Le tournoi des champions va enfin commencer. Alléluia! Est-ce qu'ils ont... Ouais, ils ont été soignés. Ok. On y va. Bon, on est enfin à la fin. Et éteint. Ça vous dit quelle heure il est? Eh oui, c'est l'heure du premier round du tournoi des champions. Prévons maintenant l'identité de nos deux premiers compétiteurs. D'un côté, nous avons un dresseur recommandé par le maître lui-même, Challenger Yona. De l'autre côté, le Tsunami Lapilazuni, Donna, expert en type O. De l'eau a coulé sous les ponts depuis notre combat au stade de Skiffer. Je constate que tu as bien évolué depuis. Décidément, notre maître bien-aimé a l'œil pour dessiner des jeunes dresseurs talentueux. Toutefois, tu es encore loin d'avoir l'étoffe d'un maître, contrairement à moi. Alors cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur de te mésestimer. Je connais pas ce mot. Avec la puissance du Némasque, moi, Donna, vais mettre Tarak au tapis et remporter le titre du maître. En garde. Insecte aussi. Oh, je vais faire mal. Sonia va être déçue, mais tant pis, elle va renforcer ton ennemi. Ton équipe. Ballon. Attrape. Repli stratégique. Ah oh, ouais, c'est vrai. Maintenant c'est. Aska Kuda, oh non. Moi qui voulais jouer un jeu au foot, c'est raté. À quoi prêche? Elle appelle des poissons, c'est foutage de gueule. Allez, botte secrète. Trop gif. Ça, c'était pas prévu, ça. Ah, oh. Va le faire encore. Poisson roi. Votre secrète, toi aussi, va te faire voir. Voilà. Zarmouraï. Escarmouche. Lui
lui c'est un intrus, il est pas haut. Enfin si, il doit être haut, mais l'insecte prend le dessus. La guérison. J'en ai marre de toi, tu dégages. Voilà. Merde hein. C'est pas grave, t'inquiète. Alors suivant, l'équipement. On va essayer. Crash. C'est vrai que lui il attaque pas. Toujours aussi nul l'équipant. Pourtant il a des attaques hein, mais mal exploité. Miroir. Voilà. Et le dernier c'est Torgarmo. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh, regarde. Regarde, mort libère la puissance du gamin, parce que cette arène devient tout puissante. Jusqu'à l'attaque en première. Vas-y chérie avec. Non il attaque d'abord. Ah le bruit. Ouais. Ah ah merde, je suis pas réveillé. C'est vrai, hein. Oui, alors. Encore un top ou deux, son gigamas il va s'arrêter. Ah
Paul, ça. Vas-y, tu dois venir. Voilà, magnifique. Malgré tous nos efforts, tu as remporté la victoire avec une licence immortelle. C'est Yona qui l'emporte. Quel combat! Même la puissance des vagues de Donna n'a pas pu arrêter notre challenger. Je m'incline, même mon partenaire Dynamaxine n'a pas fait le poids face à ton Pokémon. J'aurais dû prendre Sonia plus au sérieux quand elle chantait tes louanges. Cela m'apprendra. Toute la région a les yeux rivés sur toi. Puisque tu m'as vaincu, je compte sur toi pour atteindre le sommet à ma place. Et c'est la fin du premier round. Restez avec nous pour ne rien manquer du prochain combat. Ah, du coup, je dois affronter Alistair. Ok. Alors, est-ce qu'ils sont guéris? Magnifique. Donc, Alistair. C'est le spectre, ça. Ça va être vite réglé. On y va. Mesdames et messieurs, bienvenue au second round du tournoi des champions. Quatre dresseurs sont encore en compétition. Lequel d'entre eux se hisseront en finale? Après avoir vaincu l'ex-challenger Trevis à la suite d'un coup de théâtre mémorial, le challenger Yona a donc continué sa lancée en arrachant la victoire à Donna dans le premier round du tournoi des champions. Son prochain adversaire? Alistair. Le roi du silence. Bonjour, tu allais en forme. Je me souviens de toi. De tous les challengers, tu étais le plus fort, de loin. Bien, battons-nous. Je pense que ça va être très bien, hein, malheureusement. Nocturne. Feu en sorcellerie. L'attaque spéciale. J'en fous, moi j'attaque physique. Pourquoi? Voltigeist. Abri. Oh non, c'est pour les lopettes, ça abri. Et d'un. Giga sens. Thank you.
royaume. Ah, je peux peut-être essayer avec... C'est pas tard ça. Châtiment. Encore? Oh mais non, mais putain. Ça reste dans toute sa santé à chaque fois. Ah non, parce que du coup tu meurs. Ciao. Ah. C'est pas vrai, c'est sans fin. Châtiment. Allez vas-y tue-le. Ah magnifique. Et le dernier. Avec ton placement. Ça reste un poison après tout. J'ai peur. Ectoplasma, gigamasque, déploie ton nom. Challenger Yona remporte sa deuxième rencontre. Wouah, quelle force. Bon, bonne chance pour la suite. Je t'admire beaucoup. Qui sera son prochain adversaire? Roy, le champion draconien, ou Peterson, le champion qui refuse d'utiliser le dynamasque. Eh ben non, c'est Roy, sinon ce serait pas drôle. Quel match les amis. Roy n'a fait qu'une bouchée de Peterson. Sois pas violente comme ça, Sorette. Y'en a, je suis tellement désolé. Moi qui condescends mon foie haut pour venger l'honneur familial.
Imperial, voilà, qui se fait prendre une raclée face à Roy. Il te fait battre en moins de deux. Tout le monde va penser qu'on est des nazes. Non mais tu comprends pas, Roy il rigole pas. Il est super balèze ce gars. Et c'est pas tout le monde qui est capable de lui faire face sans utiliser une masque. Je pense que Piggy l'a bien compris. Je sais bien ça, mais c'est justement pour ça que je veux que tu sois vainqueur. Tu t'es trop bien battu. T'aurais dû gagner. Du coup, il reste plus que toi, Yana. T'as intérêt à gagner. J'espère qu'on n'a pas trop déconcentré. On a retrouvé. Oui, t'attends sur le terrain. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Ça va chier. On va directement mettre le dragon contre le dragon. Voilà. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous y voilà enfin. Le round final du tournoi des champions est sur le point de commencer. Lequel de nos finalistes aura l'insigne honneur d'affronter notre maître en titre Tarak l'invaincu? Est-ce qu'il s'agira de notre star montante Challenger Yana? Ou s'agira-t-il du rival de toujours du maître Tarak, le champion incontesté du titre dragon? Roy, l'adversaire draconien. Ah, t'as réussi à arriver jusqu'ici, bravo. Décidément, Tarak a eu du flair quand il a décidé de te recommander. Avant d'aller le terrasser, il faut d'abord que je m'occupe de son petit protégé, c'est-à-dire toi. Tu m'auras battu une fois, mais pas deux. J'ai grave entraîné mon équipe au 1 contre 1 depuis notre dernier combat. Donc si tu penses faire face au même Roy qu'avant, tu te mets le doigt dans l'œil. Laisse tomber, tu vas morfler. Chartor? Chartor, c'est pas un combat. C'est pas un dragon. Qui prend? Et voilà que la sécheresse s'installe grâce au plus beau désastre. J'ai nommé le soleil. Soleil, non! Ah, ça va. Ah, mais il va attaquer direct. Ah, oui. Ah, ça va piquer. Ah, non. Ah, non, c'est vrai, je suis dragon aussi, je suis pas que haut. Oh, putain, guérison là. Pas drôle. Bien au front si t'as des couilles. Défense, c'est bien ça. Allez hop, météore dans ta gueule, biatch. Oh putain. Allez, lance-soleil en plus. Voilà, magnifique. Boumata. Je suis allé. Wow! Il m'a one shot, sérieux! Bon. Ah,
Oh mais non, putain. Oh mais en fait il va tout jouer sur le zénith quoi. Merde. Je sais les rendez-vous avec Roy. Saboter mon Dave. T'es quoi? Ah, il est comme ça à pied, on peut le revivre. Tiens. Ah mais il est dragon. Oh, mais... Danse plus. Ah d'accord, maintenant on passe à la pluie, magnifique. Est-ce que c'est qu'elle est le plus fatal? Il a donc joué avec la météo lui aussi. Oh putain, il est petit attaque. Au croupi. Penseur. De sable, hey, on change de météo, allez. Putain, ils ont chacun une altération de la météo. Ouais, oh, hurle, bon, elle souffle en fait de ça. Pas grave, câlin. Bon, le câlin. Voilà, va te faire voir. Le dernier, c'est. Oh, il ouvre le bon. D'attendre qu'il enlève sa gigantesque. Vas-y, suprême, faut péter. Voilà, même fille. Voilà, hop. Dégage de là. Ah, j'ai gagné. Selfie, j'avais oublié cette défaite.
S'il y en a qui en remportent la victoire haut la main. On s'était pourtant entraîné à donf avec mon équipe, mais on était loin de se douter que vous deviendrez aussi balèze. Je suis encore jeune, mais franchement, ça me fait quelque chose de voir quelqu'un de si encore plus jeune que moi grandir. C'est pas si vite. T'as un super avenir qui t'attend, toi, c'est clair. Allez, va montrer à Tarek qui c'est le vrai maître maintenant. Le gagnant de la finale du tournoi des champions est Yona, est le numéro 029. Challenger Yona. Et maintenant, l'heure de vérité approche. Yona aura-t-il raison de Tarak, le maître invaincu qu'il a recommandé? Nous aurons la réponse très prochainement. Ça va jouer maintenant. C'est super, ça, tu es encore là, tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne et me soutenir. Il y a également deux vidéos à regarder. Merci.